Pouf pouf YouTube, comment allez-vous? Ras super et David. Coucou. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très particulier. Déjà, nous sommes en civil rebelle. J'ai baissé plus le son de ce jeu à cause de cette hélico de merde. Ouais, on va se déguiser un peu en civil. On va faire les go fast. On va faire des go fast, les gens. Ça consiste en quoi? David, explique-nous. Alors, on va prendre des berlines. Des vraies voitures, des voitures de sport. Donc là, je pense qu'on va prendre Panamera, non? Ouais, deux Panamera, on va aller chercher de la drogue. Voilà. On va aller traiter tout ça, et l'objectif, c'est de passer la douane. Exactement. Donc là, le but, c'est pas de faire le plus gros trafic de drogue de fou, pas comme j'avais fait la dernière fois. Là, le but, c'est de faire le trafic le plus rapidement, le plus vite possible, en fait. Possible. Allez. Alors déjà, tu vas enlever ton arme. Tu la poses par terre et tout ici? Ah ouais, c'est pas grave. Vas-y. Et on va s'habiller en mode civil. On fait genre qu'on est des civils. Hein. Okay. On est pas des rebelles, je suis en civil, j'ai pas d'armes sur moi. Regardez, voilà, les gens, la Zaphir, elle est là. Arme donateur en plus. Allez, en avant. Allez, viens. On est parti, les gens. On fera des parties de entre 30 et 40 minutes comme la dernière fois. Mais cette fois, c'est du go fast. Alors, on n'a pas le souci du reboot. Parce que le reboot vient d'être fait, le restart, à 16h. Donc là, on a jusque 20h pour faire notre bêtise. Et il y aura pratiquement pas de stalker parce que David est là et généralement ça calme rapidement tout le monde. Tu fais pas plus de vidéos. Exactement. Sur Daisy. Attends, juste Mister Flow Gamer, merci à toi pour ton tips de 5€. Pourquoi je fais pas plus de vidéos sur Daisy? À la base, on devait en faire une avec David, mais j'ai préféré faire sur The Forest en fait. Tout simplement. Et surtout parce que j'ai très peur de perdre mon stuff. Voilà. Donc pour je balance les piécettes. Pouf. Merci à toi pour ton tips. Alors hop, la petite piécette. On va la mettre là, à côté du petit bonhomme qui tire la langue. Merci à toi. Alors donc, on commence tout simplement. J'avais pas vu. Comment devenir donateur? Ah, c'est classe. C'est beau, hein. Ouais, c'est classe ce qui a été fait, mec. C'est pas mal. Alors, on va... T'as de l'argent à me passer? Ouais, t'as combien là sur toi? Vas-y, j'ai rien, file de l'argent, ce sera plus simple. T'as vu, je m'étais mis en mode chauffeur de bus. J'ai un costard. 1 000 000 et une file, fou. Allez, bah du coup, on va C'est moi, Hamaï. Je suis Hamaï. Je suis Hamaï. Mais toi, t'es pas un fake, toi. Ah non, moi, je suis pas un fake, non. Alors, tu sais quoi, on va se prendre une petite tenue à carreaux. Allez, ça, on prend ça. Ouais, un truc simple. Prends-toi une petite bandoulière. T'inquiète. C'est légal, donc on prend. Hein. Un petit gilet. Un petit bob. Je vais la prendre en coyote pour changer. Non, je garde mon chapeau de truc. Attends, mec, de la bouffe et tout, mec, faut qu'on s'équipe un fond là. Ah ouais, putain, c'est vrai, la bouffe, c'est là-bas. Et on va remplir la bagnole de trousse à outils, tu sais, si jamais on fait beaucoup d'accidents. Vas-y, faut qu'on prévoie à fond là. Tu sais que l'autre fois, quand j'étais en police, l'Ardif arrive bientôt sur YouTube avec colis, j'ai acheté 50 fumigènes, je les ai balancés sur Atira. Ça faisait un feu d'artifice, mec. Quand tu verras l'Ardif, tu trouveras ça trop classe. Je t'assure, c'était trop classe. Alors, superette. Bon, les gens, étape 1, acheter la voiture pour le go fast sans me faire écraser par tous ces gens. Bon, on achète la voiture. Alors, 5 bouteilles. Putain, ça s'est dupliqué la viande. On achète la voiture. Je vais baisser un peu son son parce que moi, il me gueule dans les oreilles quand il crache dedans là. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Alors, tu vas prendre. Putain, il tire comme des cons. Bouteille d'eau, bacon tactique et du Red Bull, on sait jamais. Non, moi je mettrai la voiture à côté, j'achèterai tout quand je serai à côté. C'est quoi déjà? Porsche Carrera, c'est ça? Ah, c'est pas ici, c'est au donateur. Ah oui, merde, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, attends. J'étais à manger déjà. Attends, je vais prendre à bouffer. C'est ici, non? Non, c'est là, viens. Derrière toi, là-bas. Là-haut? Ouais, c'est vrai. Tu sais que c'est un truc que j'achète jamais, ça, de la bouffe et tout ça. Ouais, si, je suis un mec comme et ça. Et on prendra donateur. Et il est où le PNJ là qui vend les fruits et les légumes? Je prends 5 bouteilles d'eau, 5 Red Bull, 5 bacon tactique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as pris des kits de soins? Ouais, j'en ai 5. J'en ai 6. Par contre, j'ai plus de place pour l'arme. Donc, ce qu'on fera quand on sera au donateur, je prendrai une arme, on mettra tout dans la bagnole, mec. Ok, vas-y, on va s'équiper. Donc là, vous avez juste à vous imaginer qu'on est, disons, au Maroc, et on va faire un gros fast de fou. T'as entendu? Regarde, écoute. Aïe! J'ai pas entendu, non, mec. Alors, je le refais, regarde. Ça, c'est tu connais. Mais de quoi tu parles, mec? Bref, c'est pas grave, va dormir.
Non mais mec, je t'assure, doit y avoir un souci. On y va. Tu sais qu'il y a un hélico au-dessus de nous, du coup, j'entendais rien. Bah on fera ça au donateur. En avant les gens, en avant. Est-ce que je peux prendre la Bugatti Veyron? Je sais pas avec quelle voiture on va faire le trafic de drogue. Non, Porsche Panamera. Ouais, puis la Porsche est pas mal, la Porsche est pas mal. Parce que déjà, elle est grande, elle est sportive, ouais. Et il y a un gros coffre. Wouah! Ça commence déjà les barrages. C'était un barrage? Non, non, c'est pas un barrage. Je sais pas, peut-être ils ont fait un constat, je sais pas. RPZ de Maroc. Bah souvent ça part de là-haut les go fast. Après il remonte par l'Espagne. En fait c'est comme si on allait à Stratis. Vas-y. De Westland. Et on revient sur Altis Life en fait. Exactement. Mec, une belle D5 là. Ah bon? Ah ouais. Alors est-ce qu'il y a eu des drops? Non, aucun drop depuis que j'ai commencé à streamer les gens. N'hésitez pas à partager le stream. Vous êtes 365, ça a dû être une habitude. Qu'il y a autant de monde maintenant. Ça fait plaisir. C'est bon, c'est revenu ou pas? Vas-y, vas-y, roule. Ouais, ouais, c'était revenu, mais c'est revenu, et ainsi de suite. Par contre, là, faudra que je fasse gaffe, parce que je vais devoir conduire aussi, donc... Faut faire gaffe. Bah, au pire, on en prend une chacun. Enfin, une chacun, ou on en prend une pour deux, comme tu veux. Bah, je trouve une chacun, ça fait plus classe, non? Ouais, ça fait go fast, ouais. Ouais, ouais, on va en prendre deux, ce sera plus classe. Ouais, on prendra la PKP. J'ai le droit de prendre la PKP? Bah non, faut qu'on soit légal. Ouais, mais mec, on aura de la drogue sur nous. Ouais, mais faut qu'on fasse genre, on va prendre des armes légales. Ouais, mais j'ai même pas la licence, mec. Bah, c'est pas grave. Ouais, attends... Non, j'ai même pas la licence. Bah, tu prendras de l'intérieur, la MP7, elle est légale. Mais mec, t'es vraiment un truand. Moi, je prends la PKP, mec. Bah, prends ce que tu veux, mais on sera pas légal. Mais de toute façon, là, mec... Par exemple, là, déjà, on va passer la douane pour aller chercher la drogue, hein. Ah oui. Pour t'expliquer, déjà, tu passes pas. C'est là, vrai. On passe comme si on était des touristes. C'est vrai, les gens, je peux pas prendre une arme illégale au début. Putain, ouais. Les petites mises à jour qu'il y a eu, là, c'est pas mal. Où c'est qu'on peut acheter les licences? Non, là déjà tu pourras. T'es donateur toi donc t'as pas besoin de licence, on va dire ça. Okay. On l'achètera après. Donc tu prends une MP7. Et le SGG, moi, je peux pas le prendre. D'acheter la voiture, on prend quoi comme voiture, quelle couleur? Le SGG. Non, ça c'est qu'il y a que la MP7 qui est légale. Bon, ou des petits flingues. Je prends la petite. Vas-y, on prend noir. Ouais, vas-y. Prends... Oh putain, il y a plein de trucs par terre là. Tu l'achèteras toi pour pas qu'on dise que. T'inquiète. T'es pas le propriétaire ou quoi. Je mets sur le côté, peux l'acheter. Ouais, vas-y, tu peux l'acheter. Alors, Porsche Panamera, tu l'as pris en noir? Ouais, prends noir, en noir aussi. Acheté. Ça fait les... Ça fait... Oh, t'as pris blanc, sérieux? Ah non, t'as pris noir. Non, t'inquiète. Voilà, donc alors... là, c'est nos véhicules de GoFast, les gens. MP7. Deux Porsche Panamera. Qu'on a volé la veille. Attends, mais ça, c'est pas ma Porsche Panamera. C'est pas la mienne, celle où je suis devant, là. Bah si, pourquoi? Fait U, U. Ah ouais, c'était U, j'ai appuyé sur L parce que sur Iceland c'est L. Voilà, donc on met nos monstres l'un à côté de l'autre, les gens. Oh, les gens, regardez-moi ça. Attends. Oh non, c'est nul ce chargeur là, je les veux. Les deux petites Porsche Panamera, les gens, pour faire le go fast. Ça va être tellement classe. Donc, moi j'ai ma petite MP7. Bon, c'est pas la meilleure arme du jeu, mais bon. Merde. L'intérêt, c'est que elle est légale. Et c'est vrai que si tout s'arrête à la douane bêtement, ce serait vraiment dommage. Je pense que nous sommes tous d'accord. Donc, on va prendre des chargeurs. On va prendre une petite lunette. De toute façon, on va prendre juste une ACOG parce que c'est une arme qui est pas spécialement faite pour viser loin. Ouais, une arme. Attends, je vais mettre des trousses à outils dans ma bagnole. Je la mets bien en rafale, hein, la MP7, au cas où. T'inquiète. Mets des trousses à outils dans ta bagnole aussi. Ouais. Voilà, j'en mets deux. Ah non, c'est pas la mienne, ça. Putain, ça, c'est de la préparation, les gens. Prépare tout, comme ça, on sera bien. C'est de la préparation. Attends. J'arrive pas à me donateur. Alors, donc, t'as pris des premiers secours, on sait jamais. Ouais, hein. Je reprends trousses à outils. Ouais, j'ai 6 trousses à secours, donc okay, c'est largement bon. T'as bien GPS, au cas où. Non, j'ai pas pris de GPS. Bah, parce que les GoFast ont besoin de GPS. GPS. C'est bon, j'ai mon GPS sur moi. Ok. Tu sais activer, c'est bon? Non, mais au pire, on verra ça après. Comment tu l'actives? C'est quoi la touche? Alors, moi, j'ai pris une touche comme ça, mais toi, c'est pas la même. 3. Déposer. Non, t'inquiète. De toute façon, je te suivrai. Tu seras la voiture de tête. Ouais, voilà, bref. Tu me diras quand tu freines. Par contre, il faut laisser un minimum de sécurité distance pour la D5. Ouais, bah, de toute façon, quand tu freines, tu me dis que tu freines, et puis voilà. Ouais, voilà. Okay. Ok, bon moi je suis prêt, je suis dans la bagnole. Ferme bien la clé dès que t'es dedans, t'es prêt? Vas-y. Bon bah allez, c'est parti, tu me suis? En avant.
Roule pas trop vite par contre, hein. Oh mec, c'est tellement classe. Les deux Porsche Panamera. En avant les gens, début. Attends, je m'arrête, attention, je m'arrête. Vas-y. Début de notre petite aventure. Je vais mettre un peu plus de son. De toute façon, il y a un hélico qui pète les couilles au-dessus, donc vas-y, en avant. Attention, faut s'arrêter au panneau stop, etc. Ouais, t'inquiète. Tant qu'on n'a pas la drogue, on roule bien, et qu'on aura la drogue, on... Voilà, exactement. On fera les fous. Du coup, on passe où? Par le truc de douane ou on passe carrément où il y a des trous? On passe par la douane au début? Ouais. Ok. Non, mais c'est pas, on a rien à se reprocher pour le moment, donc pourquoi... Vas-y, ça marche. Mais par contre, j'espère que j'ai mon permis de conduire et tout, hein. Ouais, j'espère aussi, hein. Attention, freine. Vas-y, je freine. Oh putain, j'avais zappé que quand on freinait, tu sais, la bagnole des fois se déportait à droite ou à gauche. Attention, Ifrit. Attention, oh, l'Ifrit, il fait demi-tour. Alors que ce soit clair, hein. S'il y a du stream tone, je fais ban def, les mecs. Hein. Attention, hein. Je le dis clairement. Hein. Que ce soit bien clair. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? Genre, ça arrive le stream tone. L'Ifrit, il vient sur nous. Alors qu'il y a une Porsche Panamera qui est passée juste avant. Pourquoi tu dis ça, mec? Bref, il est derrière. Je te trouve. Ah, ça va m'énerver, hein. Ça va mec, la voiture blanche aussi là-dessus. Elle vient de faire demi-tour. Vas-y, rentre dans la rue là. Attends, j'arrive. Quelle rue? La rue là, directement sur la droite. Ok. T'arrives, tu vas dans l'ATM, tu mets tout ton argent. J'ai déjà mis mon argent dans l'ATM. Ok, bah moi je mets tout. Mec, ils sont arrêtés juste derrière nous. Hein. Bonjour, monsieur. Oh, c'est toi qui tire. Mec, on se fait tirer dessus, attends, non? Juste pour t'expliquer, c'est... Oh, oh. J'espère. J'ai pas tiré, hein. C'est le mec qui... Ils ont des problèmes entre eux. Vas-y, on bouge. Nous, on commence à bouger. Vas-y. Y'a personne à la douane, je remarque. Viens. Wow, ouais, bon, viens, bouge, y'a un truc de gang là, on bouge. Fais demi-tour. Vas-y. Comme ça ils se sont fight entre eux, nous on peut passer tranquille. C'est alors... pour ça qu'il y avait l'Ifrit, l'hélico et tout. Bah je sais pas, peut-être y'a un bruit entre eux. Hein. Allez, on passe sur la droite. Vas-y. En avant. Oh putain, ça tire à fond. Hein. Ça va sûrement occuper les flics, c'est plutôt cool pour nous ça. Oh putain! Wouah! J'ai failli me prendre là-bas. Non, j'ai réussi à freiner. Mais c'est pas évident à conduire, c'est pas évident. Je me suis un peu sur le côté pour aller sur la carte vite fait. On va aller au champ des Rhônes. Bah attends, je me mets devant toi, je vérifie mes licences. Vas-y. Attends. Les gens, ça a été intense, les gens. Permis de conduire, c'est bon. Vous êtes 434, les gens. C'est beau. Vas-y, David, tu repasses devant quand tu veux. Comme c'est juste trop classe. Ok, vous êtes prêts? Vas-y, repasse devant, viens. Moi je te suis. C'est parti! Allez, en avant. Faudrait qu'on le fasse dans la vraie vie, ça mec, on achète des Porsche Panamera et puis... Putain, première personne, ça fait un peu... Non, je sais pas conduire en première personne, et si on me double, c'est un quoi ce que je fonce dans le mec? Ok, bah alors on va doucement. Surtout qu'on est à plus de 200 sur les petites routes là, alors... Oh putain. Je conduis tellement bien, les gens. Comme vous pouvez l'admirer. Attention, intersection. Vas-y. Oh mais... Oh putain! Mais la voiture, elle part à droite des fois, c'est juste horrible, mec. Non, moi, je la pilote super bien. Bah toi, t'as l'habitude aussi. Mais je pense faut pas que je dépasse les 150 parce qu'au-dessus, ça peut être dangereux. Quoi. Alors là, on va passer sur une grosse intersection, là. Ouais, quand... On est à 1 km de champ d'héroïne. Déjà? Ouais. Putain, bah ça me change de mon trajet en camion. Hein. Parce que quand je le faisais en camion, mec, c'était... Là, j'ai pris l'héroïne, c'est la moins chère. Mais ouais. Tu gagnes quand même du bif, quoi. De toute façon, mec, à tous les coups, on a le prix... en bagnole, on a le prix de ce qu'on va gagner. Donc c'est juste pour faire un petit go fast et essayer de faire un trafic de drogue le plus vite possible en go fast. Et on va repasser par la douane après? Ouais. Oh là là, ce truc. C'est pareil, il y a un passage. Ouais, je sais, on me l'a déjà montré. Ah ouais, tu sais où c'est? Bon, on passe pas là. Enfin, je sais plus où il est, mais Colim me l'a montré la dernière fois. Non, on va passer de force. Hein.
Ok, sur ta gauche. Qu'est-ce qu'il y a sur la gauche? Bah on est arrivé au champ. Déjà? Ouais. Ah oui, c'est vrai, moi j'avais Papa Kavala pour acheter le camion, du coup j'avais dû tout me faire dans l'autre sens, tu sais. Par contre, fais gaffe, on va peut-être se faire braquer. Bon, t'inquiète, on se cache sous les arbres. Oh bah tiens, y'a un camion déjà. J'aime bien les mecs en Porsche Panamera, tu sais, qui se baladent. Bonjour, on va rien vous faire, on vient juste faire de l'héroïne. Le mec il voit deux Porsche Panamera arriver. Donc vous faites votre business, on fait notre business, d'accord? Bonjour. Allez, vas-y, récolte. En avant. C'est où on récolte, bordel? Bonjour. T'arrives à récolter? Non. Je crois que c'est avec... Ah si, c'est avec 8 touches Windows, je crois qu'il faut faire, non? Non. Attends, on est bien, dedans, non? Comment tu récoltes? Attends, j'arrive pas à récolter. Mec, on est même pas dedans, là. On est pas dedans? Non. Bah si, mais qui récolte? Ouais, mais faut aller... Attends, faut aller près d'un arbre, non? J'appuie sur... C'est touche Windows, mec. Le geek, on est même pas son serveur, les gens. Touche Windows, mais moi ça marche pas quand même. Mais viens où je suis, t'es pas dans le truc. Ah ok. Vito, t'inquiète pas, on te fera rien. Ah c'est bon, putain. Mec, t'es tellement à l'arrache. Okay, okay. Faudrait que tu rapproches les bagnoles par contre. Ouais. Oh putain, il m'a mis un coup. Non. Oh non, je suis tombé. Mec, j'étais à deux doigts de prendre la MP7 et de le rafaler sa race. Ah mais j'ai un bug de fou. Ouais, tu te mets à quatre pattes, c'est l'habitude ça, David. J'ai plus de place dans mon inventaire. Allez, en avant. Attends, moi je vais poser mon arme dans mon inventaire parce que ça prend de la place, c'est chiant. Attends, il est où ma bagnole à moi? Voilà. C'est T, c'est ça? Ouais, c'est Mage T. Mage T. Attends, je vais rentrer dedans, ce sera peut-être plus simple. T! Ouais, Mage. Ce véhicule n'est pas en mesure de stocker des objets virtuels. Pourquoi? Je sais pas. C'est la meilleure celle-là. Ah! Attends, peut-être parce que j'ai mis des trousses à outils dedans? Non? Ouais, je sais pas, attends. Mais pourquoi on pourrait pas apprendre? Bah, je sais pas, essaye dans la mienne, mec. Attends, je vais tester dans la tienne. Attends, je prends tous mes trucs, hein, je vais enlever. Hop. Oh non, ce véhicule n'est pas en mesure. T'as vu? Non. Bah, faut changer de bagnole. Oh! On vole son camion. On lui demande s'il veut pas faire un échange. On lui passe les deux Porsche Panamera et nous passe son camion. Bon, bah, nous on peut pas mettre dedans, bah, c'est super. Oh, David, ce fail! Oh là 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 là! Mais c'est pas normal, là faut l'avertir. Il faut que vous ayez les clés du véhicule. Ouais, mais il y a écrit. Ah, mais c'est peut-être pas le mien celui-là. Non, si c'est le mien. Non, il y a écrit. Ce passe-moi pas en mesure de passe-moi tes clés, ce sera plus simple. Attends. Ça, c'est. Ça veut dire que. Ouvre ta bagnole là. Attends, je te passe tes clés. Quelque chose dedans. Oh là là, les gens, ça commence tellement bien. Allez, on bouge. Attends. Ça, c'est ma bagnole ici, je crois. Ouais, c'est ma bagnole. Ce véhicule. Oh, mais mec, mais non! Vas-y, on bouge, on perd pas de temps. Le fail qu'on a eu, quoi. Oh. Bon, les gens, attendez. Putain, on prend quoi? On peut applaudir David, hein. On est sur son serveur. Moi, je dis ça, je dis rien, les gens. Nous sommes sur son serveur, les gens. Ça, c'est la meilleure, celle-là, en principe. Oh là là, le petit go fast. Tu peux stocker partout, c'est ça qui m'énerve. Le petit go fast qui a vachement bien marché, les gens. C'est pas grave. Non, mais moi j'applaudis quand même l'administrateur. Oh l'enfoiré. Oh là là, les gens, quel admin! Putain, quel admin! Développeur, balance! Ah! Depuis quand on peut rien mettre dedans? On va avoir des pseudos, les gens! Allez, on bouge! Oh là là, David! Concentre-toi, on va prendre une autre bagnole. On prend quoi comme notre bagnole, choisis? Bah, je sais pas, t'as qu'à. On en prend une où on peut faire ce qu'on a dit, non? Bah, déjà, t'as de la drogue sur toi, déjà. Ouais. Donc pareil, donc on sortira une voiture pour voir si on peut mettre dedans, mais en principe on peut mettre dedans. Oh là là, mais vu qu'elle est neuve, je suis tellement déçu. T'as oublié les gens, je suis autant déçu que vous, les gens. Ouais, bah moi aussi. Un gros GG à David. Parce que ça c'était beau, il y aura pas de montage, les gens. Son attends, visage. Attends, prendre la distance, je crois qu'il y en a qui veut me braquer. Vas-y, tu me dis quoi, mec, hein? Oh non, vas-y, on va le prendre en sandwich. Ah, le mec derrière là? Ah ouais, il est derrière moi là. Lui, il veut te braquer. Bah je crois. Dans son SUV noir dégueulasse, ouais, là. Ouais, blindé aussi, hein. Bon, on peut lui mettre un coup de pression, viens, on met une accélération. Bah mec, moi si je le double et qu'il tourne un coup à gauche, on explose, hein. Non, je pense pas qu'il va faire. Mec, lui met pas de coup de pression, hein. Moi je suis parti. Regarde, mec, je peux pas le doubler. Il fait des ronds, il va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ok, bon bah je t'attends. On va voir s'il passe. Attends, je reste un peu loin de lui. Mais au moment où je voulais le doubler, le mec il faisait des allers-retours. Mister Flow Gamer, merci à toi pour ton tips.
Attends. C'est bien, tu t'es arrêté, je vais mettre mon petit smiley. Faites le go fast en Q7. Q7, ça peut être une bonne idée. Ouais, comme tu veux. Allez. Mais ça va pas vite. Du coup, on met un petit piou-piou. Ça va pas vite, un Q7? Non. Un petit pistolet, mec. Un petit pistolet rose, en plus. Hop là. Merci à toi pour ton tips. Bon, après, ce qui est cool, c'est vu qu'on a de la drogue sur nous, on peut toujours tester. Histoire de prendre une nouvelle voiture que t'as ajoutée. C'est ce qu'on va faire. Et la Bugatti Veyron? Ouais, au pire, mais on testera. Bon, par contre, ça fait vraiment riche, quoi. Eh ben, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour... Pour avoir mal au ventre, mec. On fait ça pour avoir mal au ventre. Oh putain, les gens, je conduis tellement mal. Putain, on a déjà rattrapé le... Mais mec, le on est à 250 km/h, ça va exploser. Je suis derrière son cul, là. Vas-y, je le prends sur la gauche. Eh, on devrait le braquer, nous, non? Il a voulu jouer au TOG, il mériterait que ça. Oh putain, il s'était... Oh, le virage, mec! Oh putain! Oh, il m'a enfoncé dedans! Oh putain! T'es mort? Non, c'est Natty Boy! Non, oh! David, tu peux venir me soigner? Je repompe à RHQ direct. Oh, pas à tirage, j'arrive à tirer là. Bah non, RHQ! Ouais, RHQ au pire. Mais non, c'est pas flic, hein! Eh, je peux pas pop au donateur! Bah non! Va à tirage, je viens de chercher. Merde. Bah, c'est bizarre ce qui s'est passé. Les gens, vous êtes 501! Bienvenue! Bah moi j'ai vu que t'as doublé par la droite. Alors dès qu'on a le permis, on peut pas doubler par la droite. Mec, je me suis mis sur la droite pour pas te foncer dedans. Ah, c'est pas grave. Oh là là, les gens, tellement de vitesse, tu la vitesse. Tiens, bah attends, ça passe en direct sur le stream. Donc je le double par la gauche. Toi tu freines, je passe par la droite pour pas te foncer dedans. Ah, mais lui aussi il avait passé par la droite, mec, en fait, c'est ça. Il avait pas vu que j'avais freiné. Parce que lui aussi il a doublé par la droite, mec. Dans le virage. Parce que David, quand il voit un virage, il passe de 130 à 20 km/h. Donc autant vous dire. Ouais, Attira, tu viens me rechercher. Je suis passé par la douane, il y a des mecs armés qui ont pris la douane. Ok, bon, je pop un Attira quand même. Bon, bah là, les gens, on n'a plus rien. Attends, je prends juste le chrono. Alors, il est combien? Il est 43. Il est. Ouais. 43. Donc... Bon, les gens, on est reparti. Sur ce superbe fail, on refait tout ce qu'on vient de faire. À 58, s'ils sont pas partis, je les bonne def tous. Ils ont 15 minutes à rester sur la douane. Hein. Les gens, j'ai vu, vous étiez 505, les gens. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là toute l'après-midi. Ça va marcher, les gens. Il faut que okay, ça marche. Je suis à Tira. Moi aussi, je vais aller me rééquiper à fond. Oh putain, je suis dégoûté quand même. Au pire, tu reprends une Q7, c'est vrai. Hein. Ça fait très civil. Mec, par contre, moi j'ai plus de drogue. Ah si, j'ai toujours de la drogue. On va tester avec les bagnoles ici directement. Par contre, attends, il me faut de l'argent, t'es où? Ok, vas-y. Test avec des bagnoles. Faut tester les bagnoles. Je vais retirer 500 000. 1, 2, 3, retirer. Mange! Oh putain, on aurait dit le 4x4 qui m'a défoncé, quoi. Alors, Q7, on va test. Vendeur de vêtements. Allez, je reprends un truc dégueu, les gens, on s'en fout. Ah mais monsieur, vous avez de l'argent? Ouais, Q7, c'est bon. Le Q7, c'est bon? Ouais. Parfait. Je prends un chapeau. Ah ouais. Bon, les gars, allez, on va chercher la deuxième. Je vais se prendre un petit chapeau. Bonjour, monsieur. Merde, j'ai pas pris de sac. Oh, la quenouille. Bonjour. C'est bien, ils sont polis, les mecs, sur ton serveur. Mais c'est tout. Bonjour. Oh, elle est tellement belle en orange, elle. Ah, je l'aime pas du tout. Ah ouais? Moi j'aime bien l'orange. Mais toi, ouais, j'ai vu ça, t'inquiète pas. J'aime bien l'orange. Alors, 1, 2, 7. 1, 2, ouais, t'inquiète. GPS. Jumelle aussi. Tour ça outil. Premier secours. Parfait. On prend un Q7 du coup. Ouais. Vas-y, par contre, t'es au courant que j'ai plus d'armes. Hein. Bah, c'est pas grave. Donc, ce qu'on vient de faire, on va devoir le refaire. Ouais, car shop. Donc, le petit Q7, c'est ça? Ouais, tu prends noir, hein, comme ça on reste dans le Audi Q7 noir acheté. Allez, c'est parti. Attends, mec, il m'a coûté que 67 000, j'ai de l'argent à mettre. J'avais retiré 500 000. 1, 2, 3, déposé. Parfait. Hop. Oh, le petit son, il est tellement classe, mec. Bah, c'est celui que je te parlais, c'est ce son-là. Non, bah, tu l'entends que si c'est ta bagnole, je pense. Ah. Ok, vas-y, je suis derrière toi. Bon, allez, on y va, vas-y. Bon, là, les gens, on est en Q7. Hein. Non, moi, je te suis. Hein. Allez, moi, je te suis, moi, je suis comme ça.
Je te suis. Par contre, j'ai plus d'armes, j'ai rien du tout. Tu sais que c'est un paquebot la voiture là ? Bah oui, je sais. C'est toi qui as voulu la prendre. Ouais, ouais, bah non, mais j'avais fait un test la dernière. La Bugatti, mais on verra. Non, mais Q7, c'est bien, tu sais, ça fait grosse berline allemande, c'est cool aussi le Q7. Au moins, bon, il y a des chances, il y a peut-être des chances pour que je me tue pas les gens. Parce que l'autre a l'arraché au plancher quand même. Tu faisais un petit peu d'accélération, t'étais vite. Oh ouf, j'ai pris. De quoi? J'ai pris un mur. Ah. T'as failli me. Ah, je crois que je t'ai frôlé les poils du pied. Les gens, vous êtes 511, bienvenue. Attention aux braqueurs, exactement. Mais attention à l'admin aussi. Si je joue RP, il y aura pas de problème. Si je joue pas RP, ça pique. Mais je pense qu'ils vont jouer RP vu que j'ai mon prénom. Et toi, t'es derrière. Ouais. Allez, en avant, les gens. En avant, en avant. Merci à tous ceux qui follow, les gens. Bienvenue à ceux qui follow, les gens. C'est important, vous êtes en attention, plus. Y a une voiture qui ce mois-ci, vous avez été plus de 3000 à follow ma chaîne Twitch. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc, c'est beau, les gens. C'est beau. Ouais, hop, en avant. Ouais, le Q7, c'est pas mal en fait. Ça a pas trop de patates, c'est un veau, ah, mais ouais, en même temps, toi, c'est. Ça. Ouais, c'est bien. C'est bien. Tu sais qu'un Q7, moi je dirais pas non. Hein. Je dirais pas non à un Q7. En avant. T'as David, il trace tellement. On va freiner. Ah, lui, c'est bien parce que quand je. Oh putain, ces freins! Mec, ils sont tellement nazes, les freins du Q7. En fait, si t'as remarqué, c'est le moteur du SUV qu'on a de base. Tu te rappelles du SUV? Le X6? Ouais. Bah, c'est pareil. Ah, c'est exactement le même. Ouais. Ok, bah, en version Q7. Il se comportera peut-être mieux que l'autre alors. Parce que l'autre, c'était vraiment terrible, les gens. Coucou, pour follow, suffit d'appuyer sur le petit cœur, les gens. Normalement, il y a un petit cœur en bas à gauche, si mes souvenirs sont bons, sur Twitch. Et comme ça, vous vous abonnez à la chaîne. Alors, nous. Hop là. Oh putain, j'ai cru que j'allais le faire exploser. Alors, on approche. Et là. Ok, donc tu reprends ta petite M7 et moi. Bon, éjection U. Attends, j'ai pas fait gaffe, T. Ouais, la T avec T, c'est bon là. Genre si. Eh mais par contre, on a de la drogue et tout, mais qu'on va pouvoir passer à la douane là. Non, moi j'ai tout mis les poubelles. Ah, t'as tout jeté? Ouais, comme ça on recommence. Vas-y, t'as raison. Vas-y, en plus, on est à 30 minutes. Bon, les gens, devant vos yeux ébahis, je le supprime, les graines de pavot. Voilà. On va racheter une arme. Et dans la prochaine partie, on refera tout ce qu'on vient de faire, mais en plus. En moins fail. Parce que là, c'était très très joli, là. 1, 2, 3, retirer. Donc, je reprends une arme autorisée et tout ça. Ouais. Alors, on va prendre une. On va la prendre en noir. Avec ça. Bah, 20 chargeurs, les gens. 20. La petite ACOG. Ça j'ai déjà. Le reste j'ai déjà. J'en charge. Attention mec, il y a une voiture qui est juste derrière. Ah non. Il y a un mec qui sait vraiment pas conduire. C'était prêt, on y va. Attends, on va faire démarrer la partie d'ici. Bon les gens, on cesse là-dessus pour cette partie. On se retrouve juste après pour la suite de nos aventures avec David. A tout de suite. Tchou. Tout de suite.